Il y a sur notre sol, madame, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui, sur le sol français, sont des compagnons de route et des sympathisants de l'idéologie du Hamas, de l'idéologie islamiste et de l'idéologie des frères musulmans. Et permettez-moi de maintenant de mettre les deux pieds dans le plat. Je suis accablé ce matin de voir que la condamnation du terrorisme islamiste ne fait plus l'unanimité dans la société française et qu'elle ne fait plus l'unanimité chez certains partis politiques. Vous l'avez vu, ça a été dit, ça a été commenté, le communiqué de la France insoumise qui non seulement refuse de condamner les actes terroristes qui ont fait des dizaines de victimes, des enfants, des femmes, des civils, qui parlent du Hamas comme étant une force armée palestinienne, alors qu'on parle là d'un groupe terroriste.